Et on reste à Nyon puisque l'association Pro Novio s'oppose à l'extension du, euh, du Beau Rivage. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Glasson, vice-président de l'association sur ce plateau. Bienvenue. Euh, on va peut-être juste rappeler, rappeler les faits. Hein. Euh, une famille saoudienne qui est actuellement propriétaire de l'hôtel Beau Rivage désire construire des, des chambres de luxe à la place de l'ancienne verrue de Rix, jouxtant l'établissement. Il est également question de réaliser une façade moderne en verre côté afin que l'hôtel s'ouvre totalement sur le paysage lacustre. La Alors, mise à l'enquête euh, qui s'est terminée euh, dimanche dernier, une seule euh, opposition a été déposée, c'est la vôtre, celle exact. de votre association. Oui. Pourquoi Malheureux, malheureusement, il n'y en a pas eu d'autres. Ben, je crois que c'est le rôle d'une association comme Pronovio-Dunon qui est presque centenaire euh, que d'alerter un peu l'opinion quand il y a des choses qui deviennent anormales par rapport à l'aménagement des rives du lac. Donc euh, c'est pour ça que Pronovio a manifesté son opposition. Qu pas... Qu'est-ce qui vous plaît pas? Alors, ce qui ne nous plaît pas, c'est la masse de verre que représente, qui est une typologie qui n'existe pas euh, le long des bords du lac, nulle part. Euh, vous pouvez prendre Roll, Morge ou autre. Euh, Nyon a beaucoup de peine avec son bord du lac. Hein. On sait qu'il y a eu des tas de plans directeurs pour. etc. Euh, Nyon a raté aussi, à l'époque, l'aménagement des rives du lac, comme l'a fait Roll ou Morge. Et ça, ça date des années 50-60, au moment de la construction de l'autoroute. Nyon n'a pas voulu euh, à ce moment-là avoir un vrai aménagement. Et puis. Euh on a laissé des choses se faire parce que c'était une route de grand trafic, euh, à la place d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus piétonnier et autres. Mais enfin, malgré tout, quel, quoi qu'il en soit, c'est une architecture qui n'a pas de sens dans le contexte actuel euh, du, du bord du lac Agnon. Alors, sur le principe, l'idée de démolir la, la verrue de Rive, vous n'êtes pas contre hein, Non, non, pas du tout. Non, non, il faut faire quelque chose, euh, ça, ça me semble capital, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il y a le besoin absolu de faire quelque chose qu'il faut euh, un peu outrepasser l'esthétique. Vous déplorez également un manque de communication autour de, de, de ce projet, d'un projet d'une telle envergure alors, je pense que c'est quand même quelque chose qui engage euh, l'esthétique des bords du lac pour euh, beaucoup d'années. Donc, euh, ça me semble effectivement important que, que, les, que les gens, la population, puissent se prononcer là-dessus, puissent donner son avis d'une manière ou d'une autre. Et pas que ce, ça Vous savez, les mises à l'enquête du mois d'août, hein. on connaît bien ouais. ça. C'est toujours euh, un peu ce qu'on essaye de faire passer sous le tapis. Et euh, c'est un bon exemple. Euh, je n'ai pas du tout une critique. Il faut bien que ça valait la peine de, de le faire faire, mais il faut que les gens puissent donner leur avis. C'est notre rôle que de donner la parole à la population lyonnaise pour qu'elle s'exprime sur le sujet. Et même si vous, euh, vous pensez de manière objective que vous avez peu de chances finalement d'obtenir gain de cause Alors, je pense que le but, il est de prévenir la, la population, et puis d'autre part, c'est d'inciter les autorités aussi à parler aux, aux architectes, aux promoteurs, aux gens qui sont concernés par euh, l'exécution de ce permis de construire. Pour le modifier dans un sens qui soit plus en corrélation avec les désirs de la population et les, dosis, les désirs des, des associations comme Pronovieux nous. Et là, je pense que euh, ce qu'on espère, c'est que euh, les services concernés, la municipalité, arrivera un petit peu à. à on ne connaît pas leur opinion actuelle, mais arrivera à, à infléchir, j'allais dire, l'esthétique euh, actuelle de, du projet. Merci beaucoup Philippe Lasson. Je rappelle Je vous que vous êtes le vice-président de l'association Pro Novio d'Uno. Et là encore, évidemment, on suivra tout cela de très près. Merci. Merci.